Et hey, yop tout le monde, bonjour, bienvenue sur Creativerse 1. Alors, qu'est-ce que c'est ce jeu? C'est tout simplement un dérivé de Minecraft qui m'a l'air plutôt joli, hein, il faut dire ce qu'il est. Donc ça m'a été demandé par Moustique, un de mes viewers sur Twitter, moi il doit me suivre également, et il m'a dit je te conseille ce jeu, regarde, ça a l'air super bien, c'est un dérivé de Minecraft, et tu verras. Te plaire. Donc pour moi, du coup, j'ai réglé les sons, j'ai réglé les paramètres, etc. Mais je n'ai pas du tout lancé de game. J'ai juste lancé cette version-là, mais c'est tout. Donc pour moi, je connais pas. Oh, il y a pas mal de choses, hein. Mes aventures, news. Je sais même pas ce que tu. Oui, peut-être. Du coup, on va aller sur notre monde tranquillement. Donc, on peut upgrade hein, pour 20 € je crois, vous avez la version pro. Personnellement, je la prendrai pas dans l'immédiat parce que bon, je vois pas un petit peu ce que ça peut donner, mais en tout cas, graphiquement, il a l'air plutôt d'être stylé. Donc, c'est un access bêta et nous voici dans le monde. Actuellement du petit truc. Alors cependant, je vais augmenter ma sensibilité à fond. Bah pas à fond non plus, mais voilà, il y a déjà pas mal de choses. Donc nous avons un cochon. Je sais pas ce que c'est, hein. Là il est 9h39, il fait 57 degrés Fahrenheit. Je ne sais pas du tout. Alors on a une grande barre. Comparé à Minecraft, on a une grande barre. On n'a pas un inventaire. N'a pas un. Je sais pas si on a un inventaire. Oh! Allez, the plaisir en travel. Et on en fait quoi de ça? D'accord. Je ne sais pas. Du coup, ça a l'air. C'est quand même plutôt joli, hein, il faut dire ce qui est. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh! Oh, j'adore! Dis-moi que l'arbre il tombe. Ah non, l'arbre tombe pas. Ah oh, je peux placer. Oh! Mousse. Ok. Ah, franchement, j'adore, j'adore! Attends, on va augmenter. On va voir un petit peu ce que ça donne là-haut. Waouh! Eh ben, ça m'a l'air super classe comme système, eh. Excellent. Hop. Donc du coup, on est plutôt tranquille. Y a un système de. Ok. Ah ok, on peut dig et on peut taper. On peut récupérer les feuillages. Oh, ça c'est cool. On peut récupérer des petites choses, c'est plutôt sympatoche. Donc du coup, on récupère le bois. Je ne sais pas ce qu'on peut en faire encore de cette chose-là. Ah, la grâce directement. Ah, intéressant. Grâce découverte. Dirt découverte. Tout cas, c'est sympa le petit système de digue. Ouais, franchement, j'aime bien. Plutôt sympatoche. On a un beau reflet au niveau du soleil, c'est plutôt sympa. Épée forte, téléporte. Oh, système de téléportation plutôt classe. Et du coup, ça me téléporte ici. Ok, un système de téléportation. Ça, je trouve ça vraiment magnifique. Cependant. Oh, il y a un système de map. Oh. On a un système de blueprint également. What? On a un bag. Alors, on a des tools. On a de l'armure. On a des crafts. Ah, on peut faire des systèmes de craft.
Oh. What the fuck? Mine de magnétique diamond. Ah. Système de torches qui est plutôt sympatoche. On peut même avoir des torches évoluées. Des potions. Des swords. Il nous manque des vignes. Ok. On peut avoir une wood sword. Ah, c'est plutôt sympatoche, hein. Un stockage. Genre, du biwax. Biwax. Ça me rappelle Forestry. Oh, mais c'est plutôt sympa, hein. Franchement, j'adore. J'adhère. On peut même faire des tables. Ah, franchement, est-ce qu'il y a en fait un système de contrôle? Ah, crafting C, ok. Ah, effectivement, crafting C, c'est quand même mieux. De la mine dans l'exploration. Ah, il y a pas mal de choses encore, hein, qui est plutôt sympatoche. Oh, la torche qui est plutôt classe. Et on peut ramasser ce qu'il faut. On peut ramasser l'herbe comme... Oh, mais c'est sympa. Oh, des radis. Donc là, on a le système de minage plutôt semi-sophistiqué. Ouais, franchement, et franchement, j'adore. J'adhère. Franchement, pour une première, j'adhère réellement. Bon, la caméra sensibilité... Je la mettre à 100. Parce que j'ai l'habitude d'avoir hein, du 140 sur Minecraft, mais. Mais du coup, ok, c'est plutôt cool. Franchement, chapeau. C'est quoi ça? Du corail. Requis Obsidian Mining. On a un système de. Ok, c'est plutôt sympatoche. Ok. Ouais, franchement, j'aime bien. J'adhère. X est tout l'inventaire. Donc, du coup, on peut faire du shift-click pour envoyer là-dedans. Et on peut les déplacer. Ah, c'est plutôt cool. C'est quoi, H? Ah oui, c'est pour le truc pro. Ok. Donc, du coup, en fait, je peux attaquer ce truc-là. Ok. Oh, intéressant. J'ai du cuir et du machin. Ça me présage rien de bon là-haut. Il y a un système de vent qui est plutôt sympa. On me dit d'aller par là-bas. Alors on peut courir. On a un système de stamina qui est plutôt sympa. On a un petit truc là-dedans. Allez, plonge. Ah, on a un genre de coraux. Pas de coraux, mais plutôt d'un bois. MDR. Ah, j'adore les torches qui restent en place. Ah, franchement, j'aime bien. Ah, franchement, ouais, j'adore. Donc, du coup, ça en fait, c'est un tronc vide. Ok, c'est. Ouais, c'est plutôt sympa. Hein. Donc, ça, c'est des vignes. Mouse. Ah, nous avons des champignons. Red champimeux. Je sais pas ce que c'est comme truc là-bas. Il y a un petit mob. Plutôt sympa, hein. Et franchement, j'apprécie. C'est beau, c'est reposant. Surtout la musique, elle est très reposante.
Et B. Bah moi qui aime bien le truc cubique pour une fois. Donc on a ce qu'il faut là-bas. Alors je suis vraiment novice hein, du coup pour ça. Ah, on peut plonger. Il y a un système d'eau qui est plutôt classe. Waouh. Alors je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire d'autre éventuellement, mais... Ah, on peut récupérer même les feuilles au sol. Magnifique. Magnifique, magnifique. Donc dans le bug, on a 17 sur 40. À mon avis, les 17 sur 40, ça doit être ouais, les éléments différents. Eh bah dis donc, moi je suis plutôt surpris pour un début. Bon, c'est pas non plus comment? Je connais pas encore tout, mais Crackwood, wood, lol. Eh. Alors d'avoir un meuble là-bas. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore. Des vignes découvertes. Donc c'est ce qu'il me fallait pour faire quelque chose, mais je ne sais plus quoi. On a du log différent. Salut toi. M'a l'air assez dangereux. Coucou toi. Je sais pas ce que c'est hein, mais ça a l'air d'être un truc plutôt sympatoche. Non, pas de craft, je voulais ça que je récupère du coup. Oh, on peut même séparer les éléments, c'est cool. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Si. Des torches, non. Potions. Il me manque de la stone. Donc, du coup, ça voudrait dire que je dois me faire une pioche. Les guides. Peut-être que la stone, je peux déjà la miner à la main. Ah, peut-être, hein, je ne sais pas. Je demande. Alors le minage est assez long, bon c'est normal parce que c'est les premiers trucs. Ouais. Ça m'a l'air plutôt dangereux. Il y a un drôle de bruit ici en plus. Ça me dit d'aller par là-bas quand même. Ouais, je me casse, salut. Auf Wiedersehen, à plus. Ça m'a l'air plutôt dangereux, hein, les mines. Ça a l'air d'être plutôt vénère. Avec ma petite batte en bois, je suis pas prêt de faire quelque chose, hein, mais... Alors, je te dis pas la nuit. La nuit, ça doit être l'horreur. Si je me construisais un petit truc en fait, je me téléporte à mon truc. Bonjour, je suis revenu. C'est sympa le système de téléporte, franchement j'adore, j'adhère. Du coup, on va se faire un petit truc plutôt sympatoche. Il faudrait que je mette E comme inventaire, parce que j'ai l'habitude de mettre E comme inventaire. X, E. Voilà, j'ai plus l'habitude de faire ça. Et puis ça pour use, en fait. C'est mieux. Alors, du coup, niveau torche, on s'en fout un peu pour l'instant. T'as un système de blueprint, quoi. Iron World.
Warrod, Ancraft Build. Box, des planches. Ah, il faut beaucoup de choses quand même, hein. Made in processor, ok. Alors ça, ça veut dire que j'ai déjà un petit peu de choses, ok. Ça veut dire que j'ai déjà découvert ce que je voulais faire avec. Tinker, ça m'a l'air plutôt. Oh putain, ça m'a l'air plutôt bizarroïde. Favori, ok. Alors, stone mining, il me faut du coal, faut de la stone, fossil layer. Explosif, oh, il y a des bombes. C'est sympatoche, franchement j'aime bien. Processeur, mine, de la stone. Avant de faire ça, inventaire, je vais prendre des torches. Oh, mushroom. Ok. Alors, ça se pose sur le côté, mais on a l'impression qu'il se pose au milieu. Ah, nous arrivons sur de la stone. Bah oui, du coup, oui. Alors, du coup, j'ai découvert comment donc on peut miner de la stone à la main. Alors, je sais pas s'il y a un système d'éboulement, cas où. Ah, je pense pas qu'ils aient non plus à ce point là, mais on ne sait jamais, hein. Rocky mining. Ah, ça a l'air du fer, ça a l'air d'un système de fer. Comment on craft? Oups. Ah oui, je l'ai jeté en fait. Tac craft. Requis du coal, du machin ou des fleurs. Ah, des types de fleurs. J'aurais pu en retrouver. Des wood slabs. Le fabricator. Le processeur. Unlock. Voilà. Et du coup. Station progress, ok. Discovery. Ça va, y a pas un système de bouffe si grand que ça, donc ça va, c'est plutôt sympa. Les torches sont plutôt bien faites, bien faites. Donc franchement, ce jeu elle a de l'avenir, franchement. Hop, une petite torche qui va bien. Ah, nous avons quelque chose. Ah non, je pensais, mais non. De la dirt. Voilà. En fait, je pensais, mais pas du tout, c'était bien que de la dirt. Donc on a un système de mining plutôt sympa. Qui est un peu long, parce que t'as l'impression d'avoir une pelle en bois que t'es obligé de passer par là pour faire ce qu'il faut, mais... Bon, je découvre le jeu, j'ai l'impression de redécouvrir Minecraft. Minecraft dans ses débuts en fait, quand j'ai commencé en alpha. Là j'ai vraiment eu l'impression de faire ça.
va mettre une petite torche là. Ouais, c'est plutôt sympa. On va se faire un petit coin comme ça. Voilà. On va se faire comme des un genre de petit mur. Voilà. Voilà, magnifique. Du coup, en 3. Oh, que c'est beau! Qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Dans le processeur. Dans le processeur. Essential mining crafting good. Je te le dis. Waouh, extracteur. Yo yo yo, une forge. Une forge, ça peut être pas mal. Mining bedrock. Genre tu peux me... Ok. Genre tu peux avoir du de la bedrock. Waouh, y a quand même collect arcstone. C'est ça que je voyais sur le truc, d'accord. Et craft wood sword. J'en craft une pour crafter ça. Voilà, magnifique. Ça c'est quoi? Ça m'a l'air bien compliqué. Alors du coup dans le bag, ça voudrait dire que... Wood sword. Ok, je l'ai. Ok. Ah, ça va, c'est plutôt sympatoche en fait. Faut juste que je trouve comment faire le reste ou voilà, mais... Ça a l'air une torche qui doit éclairer tellement plus loin. Y a pas du coup... Non, le système mining en fait c'est notre machine là. Ok, craft laser. Je sais pas à quoi ça sert. Je sais pas à quoi ça sert, mais je l'ai fait. Il faut que je crafte un truc comme ça, mais il me faut du laser et des bronzes. Ok, sur ce, on va se laisser là pour une toute première sur le jeu là, hein, sur le beau jeu de qu'il y a là. C'est quand même classe, hein. On peut faire ça comme ça, c'est plus classe. Sur le jeu de Creativeverse, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous voulez une suite de vidéos. Sur ce, je vous laisse. Bisous tout le monde, c'est DB. Ciao, ciao, ciao.